Moi, je appelais ça les mini crêpes à l'amande. Après ça, c'est les petits mélanges. On va pas faire de tartines. Alors après, on a quoi? Hein, on a encore des crêpes. Alors, des crêpes sans gluten. Alors ça, non. Ça non plus. Bon, après, c'est des plats. Tu vois, la bolognaise, bon, vegan, ok, ça peut être bon. Des coquillettes aussi. Voilà, je ferai surtout les desserts qu'il y a dans ce bouquin. Déjà, faire les crêpes, les croque-monsieur, les gaufres et les omelettes, ça me suffit largement pour faire toute la saison de la France. Un incroyable talent. Et ça va continuer. Après, il y a quoi? Il y a les smoothies. Voilà, et faire du sport. Faire du sport, eh bien, pour tout vous dire, par rapport à son bouquin, j'essaye d'en faire. Voilà. Surtout de la marche. Voilà, donc j'ai du ménage à faire, vous voyez. Pas mal comme la partie finale avec tout le bazar qu'on a à la fin de la cuisine. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit final un peu moche, mais c'est comme ça. Voilà, donc je vais donc préparer une vidéo dégustation. Voilà, je vais évidemment mettre cette vidéo. Je sais pas comment je vais la mettre à part, ou je vais la coller tout de suite après la fin de cette vidéo, ou je la mettrai à part sur mes réseaux sociaux. Tout ça, vous verrez ça quand j'aurai fait le petit montage, évidemment, de la première partie où je parle de la France en incroyable talent en faisant le repassage, la partie où je fais la cuisine avec ce mug chocolat. Et ensuite, bien sûr, la dernière partie, la partie bonus, où je vais donc goûter ce mug que je laisse refroidir et qui sera, je l'espère, aussi délicieux que celui de jujube, bien sûr, en improvisant, voilà, en mettant à la place de la purée, je vous rappelle, de la poudre, en mettant de la farine toute simple. Et en mettant peut-être un peu trop d'arôme naturel de vanille pour bon. Voilà. Tout ça, vous verrez tout ça. Voilà, vous pouvez déjà commenter ce que je viens de faire, la cuisine que je viens de faire ici devant vous. Mettre un petit pouce si vous avez aimé, bien sûr. Voilà, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de ma prochaine recette qui sera évidemment mise en ligne dans les jours qui suivent, donc voilà, quelque part dans le milieu de la semaine, mercredi ou jeudi. Là, malheureusement, bien sûr, je ne pourrai pas trop faire de cuisine vidéo chez mes parents. Je reviens donc dans 2 semaines pour la suite de mes recettes avec Juju, de mes recettes de cuisine avec les instructions de Juju, avec les ingrédients que j'ai à ma disposition. Voilà, avec bien sûr la petite partie dégustation que vous attendez tous et qui sera peut-être tout de suite après ma conclusion dans cette vidéo ou sinon dans les réseaux sociaux. Tout ça, je verrai ça quand j'aurai du temps pour le faire. Allez, je vous laisse tranquille, je vais voir la fin du Prime de la France dans le Grand Talent, le premier épisode, le premier casting, la première sélection, les premiers winners, les premiers losers. Et évidemment, et dans l'actualité, bien sûr, et on se retrouve évidemment pour parler de la Toussaint, Halloween, et voilà, de passer un beau week-end avec les deux gros matchs de rugby, Coupe du Monde, la fin de la Coupe du Monde du rugby, avec la petite et la grande finale. Voilà, et je vais évidemment recycler ce magnifique tablier pour la prochaine vidéo. Toujours avec le fond vert pour cacher la misère. Et moi, je peux vous dire à la prochaine. Salut!